Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode de Robocraft. Donc chers amis, je pense qu'on va partir avec le bombardier. Le bombardier. Et qu'on va essayer de toujours gagner un petit peu de fric pour pouvoir se faire la DCA au, au final, entre guillemets. Je voulais juste voir le prix au passage. Hop. Méga laser carbone, ah elle est jolie en... Ouais bah bien sûr elle est pas colorée. Ils ont enlevé les couleurs, exact. De la méga plasma, elle est à 11 millions, exactement le même prix, vous voyez, que l'aéroflac Canon. Hein. Donc eux ils tirent de moins en moins souvent, vous voyez. Plus vous avez d'armes, moins ils tirent souvent. C'est assez étrange. Oula non, ils tirent de plus en plus souvent. Non, de plus en plus rapidement, mais c'est pas épique en fait. Ils gagnent 0,015. Alors que là, vous voyez, par arme, on gagne énormément, quoi. Enfin bon. Rail Piercer, Rail Eraser. Les noms sont assez sympas. Les Mega Shields, qu'il faudra qu'on s'en occupe aussi pour faire le change, entre guillemets. Ouais. Il y a du boulot encore, hein. Mouvement, est-ce qu'il y a des nouveautés? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, un instant, je vais tousser un gros coup. Voilà, chers amis, c'est vraiment pas top de tousser. Spécial, alors. On a le fameux cube à 1 million, qui est pas très très cher au final. Ouais, la cosmétique a rien qu'à changer à part l'arrivée des commandes, des cubes de verre que j'ai pas compris pourquoi ils sont là. Et bien sûr, les cockpits. Enfin, le cockpit. Que je prendrai peut-être. Ça, on verra sur le moment, mais je le prendrai peut-être. Pour la gueule. Remarque, je pourrais m'en acheter un aéroflac canon avec les GC, là. Les Galaxy Coin. Bon, on verra bien. Le moment venu, on vous dira. Bon. Bon. Eh ben, écoute, on va repartir. Si on peut se faire des victoires comme on a fait, moi c'était hier, hein, pour la... C'est rare que je rejoue deux jours de suite, hein, à Robocraft. Hein. Mais enfin bon. On verra bien. Albatar. Albatar est avec nous. Oh mon dieu, il est ouvert, Albatar. 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 Alors. The battle for Ophiuchus Valley has begun. Youhou. Raté! Touché! Oh! Pourquoi là-bas? Touché! Bien joué! Touché. Touché. Touché, t'avais qu'à pas laguer. J'ai bien vu que t'étais au-dessus de moi, hein. Tu sais, y a pas de problème de ce côté-là. Hein. J'ai l'impression que t'es pas très bon, donc bon. Hop, ça fait mal. Bien joué, par contre là les CMG me touchent. Oula. Houston, on a un pépin.
Dommage. On a pu récupérer un petit peu. Mais ils sont où nos potes en fait là? Parce que moi ça m'intrigue. Je voudrais savoir. Je suis solide hein, quand même. Hein? Tu pourrais commencer à tirer toi Mou du Gland? Ça me dérange pas de me battre inutilement mais... Bah, de toute façon, on est under attack, donc bon, de ce côté-là. Ok. Allez, tu peux le finir là, non? Voilà, bon, bah, je l'ai fini à ta place. Bon, on a 2 points, ce qui n'est pas rien en soi. Alors. Touché. Raté. Touché. Touché. Raté. Ah, oh, ce combat de... digne de Top Gun. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles du prochain film Top Gun? Devait y avoir un Top Gun 2. Ça m'avait bien fait rire sur le coup, je l'avoue. Moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu nous fais, mon petit Tom Cruise? Raté. Oh, joli. Joli esquive. Touché. 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 Ah, on a perdu un point. Dommage, j'aurais récupéré celui-là, c'est pas grave. Aïe. Aïe! J'ai pas vu où est-ce qu'il venait le snipe. Hop. On va essayer de récupérer un petit peu de santé. Allez, mon pote, tu peux le faire. Ah, j'ai qu'un canon. Ça va être juste. Putain, s'il est au-dessus de moi, je suis baisé. Oups. Je suis baisé. Hop. Aïe, mais tu m'auras pas comme ça. Oh, c'est bon, t'as vu le nombre de points de vie que j'ai? C'est limite obscène. Alors. Touché! 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 Raté! Reste au sol, c'est mieux pour toi. Crois-moi. Oh! Bien joué, bien joué, bien joué. Par contre, cette manière de voler n'est pas la meilleure. Hein. L'avantage, c'est qu'ils n'ont rien vu du tout. Hop, salut l'ami! Under attack.
Oula, j'ai peut-être un petit peu été optimiste là sur ce coup-là. Aïe! Là par contre j'ai mal. What? What? Bla. Bien joué. C'est ma première mort. On tient un gros manque de... d'efficacité chez nos amis. Hein. Ça par contre c'était beau ça. Alors là le mode ninja qui arrive en frôlant la montagne. Ok, on y retourne. One player shoot again, comme dirait l'autre. Spotez les ennemis. Merde. Touché. Ah putain de snipe. Tiens. Bouffe. Hop les... Aïe. Aïe. Putain de sniper. Faut que je regène un petit peu avant de tirer. Mes boucliers, mes drapeaux qui étaient restés sur place. Hop. C'est bête, hein. Qu'à te casser le snipe. Hop, t'es trop mauvais. Aïe. Wouah, celle-là l'a fait mal. À couvert. C'est pas grave. Ça fait pas mal. On va dire que ça fait pas mal. Allez. Allez. Hop les. Oh merde. Ça pue. Comment on peut perdre à ce point? Bla. Alors ça pue. Ça, j'ai été vraiment mauvais sur ce coup-là. Hein. Mais ils sont deux en plus. Ah, par contre là, ça pue du cul là. Ok, full power. Oh, le pire c'est qu'on voit, c'est ça qui m'énerve dans le jeu, c'est qu'on voit les tirs passer à côté en fait. Aïe. Il me saoule ce snipe. Putain, mais il recharge vite en plus. Oh, ça pue ça. Aïe. Bon bah je suis content de voir que les snipes sont toujours aussi efficaces. Ouais non mais ça pue un petit peu cette partie, je la sens mal. Personnellement je la sens mal. On l'a pas gagné en 6 minutes, c'est pas bon. Allez-y les mecs. Et tire. Pourquoi tu tournes? En même temps avec un vaisseau pareil. Comment veux-tu qu'on arrive à quoi que ce soit?
What? C'est quoi que m'a buté? Lui? Putain, t'as du bol. Mais il est efficace son machin, genre. What? Donc il grimpe sur. Ah, c'est pas con son histoire. C'est pas con son histoire. Ça me donne des idées pour mon. Pour mon propre. Mon propre snipe, ça. Blam. Oh, belle esquive. Oh. Un bouffe. Ah, il me fait chier ce snipe. Il me reste encore des niveaux à voir, donc ça c'est triste. Joli tir. Boum! Contact! Eh oui, je suis plus solide que toi, mon du gland. Aïe! Ça, ça fait mal! Vite, la régène! Vite! Redresse-toi, merde! Il veut pas se redresser. Merde! Aïe! Fais chier! Attaquez-les! Raté! Hop! Hop! Aïe! Ça, ça fait mal! Pourquoi j'ai cliqué comme un con? Aïe, aïe, aïe. Tchik, tchik, tchik. Aïe, aïe, aïe. Tchik. Aïe. Butez-les, ponce. Voilà. Encore une victoire de canard. Bon. Eh ben, chers amis, ça mérite des applaudissements. Bon, bon, bon. Ah, puis je suis le meilleur de mon équipe. Ah non, j'ai cru. C'est Albatar, putain. Bon, bon, bon. Eh ben, on n'est pas si mauvais au final. 506 000, un demi-million. Nous sommes donc à 3 262 171. Eh ben, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je sais pas si j'ai encore des robots en... À moi, simplement, hein. Show my bot. Non, ici, ils sont plus. Ça, je trouve ça stupide, par contre. Eh ben, écoutez, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, faire trop le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire, dans la bannière de la chaîne aussi, vers mon partenaire GameSpot.com qui m'a gracieusement offert donc Fallout 4, Mad Max, Star Wars Battlefront ou encore Agatha Christie's The ABC Murders. Encore une fois, un grand merci à eux, un grand merci à vous, hein, bien sûr, chers amis. Hop, je règle quelques soucis de mise en place de cube. Voilà. Peut-être qu'on pourrait même lui mettre un comment... Wow.
Ouais, ça c'est pas le dernier, je vais prendre le dernier plutôt. Voilà, un truc au cul, non? Ah, faut qu'il avance. Pour avancer, je ne me rappelle plus. Voilà. Ah, il est gros. Ah, il est très très gros ce truc. Ah, et puis j'ai pas assez de CPU. Il coûte combien de CPU celui-là? 30. Donc techniquement, si j'enlève ça, j'ai assez. J'ai assez. Ce qui me permettrait de voir plus souvent mes ennemis. Ce serait peut-être pas plus mal. Bon. Remarque, j'aurais peut-être dû le mettre là. Parce que là, il va être touché rapidement. C'est pas que j'aime pas être touché, hein, chers amis, mais... Hop, voilà. C'est peut-être mieux comme ça, effectivement. Bon, bah écoutez, on testera ça dans un prochain épisode. Encore une fois, merci d'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.